جو برونس لا صحيح. بارول ا واجيه اسرة ونحمل المسؤولية كاملة نتاع لابيدي اللي هو صوغا ان شاء الله تكون يعجبكم. دونك جو صفيت اف 5 في الباوربوينت باش تقول بلاي برو، وانا جو في باش نتكل تاني شوية وخليكم تواصلوا الصرف. واجيه اسرة. D'accord. Merci beaucoup عبد الكريم. Merci beaucoup صفية على الكونس بتاعك. دونك نرحبوا بالناس الكل حاضرين معانا، لي مومبر بتاع نو بارتنير اكسترا. دونك ان شاء الله تكون فورماسيون تكون باش تعجبكم بيان سور. مرحبا بك صفية بحذانا في الفورماسيون تاع اليوم. عايشك. صحة دابور اكسبتي لانفيتاسيون و بوغ انيمي اون تيل فورماسيون اللي هي تخي تخي امبورتون سورتو في البيريود الجاية اللي برشا برشا des employés qui ne trouvent pas réellement hein, des postes, ou surtout les charges au période de confinement. Donc, c'est très important comme concept. Oui. Je cède la parole à Esra. Fadr Esra. دونك عسلام ومرحبا بكم الناس الكل. جو بريزونت سرا بطيب، ادمين جروب دوز يوث اوبورتونيز. مرحبا بك صافي وميرسي دافوار اكسبتي لانفيتاسيون. Merci à vous, Nessetol. C'est un plaisir pour moi d'animer cet atelier. Donc, je vais vous donner ce que vous avez fait la présentation. Juste à la khatr PC, je zine chouette, l'outil est là. C'est bon? Très bien. Vas-y, ça va. Avec le calme. Je me présente une autre fois. Ena Safi Fathali. J'ai 3 ans d'expérience dans le marketing digital. La formation d'animer la formation, c'est que Ena Bidi, quand on a eu la chedma, on a stressé, surtout à un CV. Sinon, un background d'affilérage, puisque j'ai normal déjà mémoire à la marque employeur et comment ça se passe le recrutement Fitounes et les petites entreprises spécialement. Donc, la formation tienne, je vais vous parler de ce qu'on a un CV efficace, ce qu'on a le chedma le tir avant un CV, qui fait ce qu'on a un CV, ce qu'on a les consignes à suivre, je vais une forme assez présentable pour un CV, on va qui fait ce qu'on a un audit CV, je vais vous parler de ce qu'on a fait, je vais vous parler de ce qu'on a fait, je vais vous parler de ce qu'on a fait, je vais vous parler de ce qu'on a fait, on va vous parler de ce qu'on a fait, comme des questions. Mais un CV, avant tout, c'est une entité vivante, c'est-à-dire la valeur d'un CV se dégrade. Donc, un CV, ça s'entretient. Alors, il a réactualisé le CV, les compétences acquises les différentes étapes et phases de notre carrière professionnelle. Donc, qu'est-ce qu'un CV efficace? En termes de contenu, de création et de support, support physique. Mais avant tout, un CV efficace, il doit être un CV lisible, court, qui va à l'essentiel, agréable à lire, et sans faute d'orthographe, surtout les fautes d'orthographe, qui présente une offre de services lisible et adaptée aux besoins du recruteur, c'est-à-dire, c'est un marché du travail, c'est-à-dire, femme a une demande, il y a de l'offre, donc il faut adapter la demande à l'offre sur le marché de l'emploi. Donc, comment répondre? Des petites astuces et des petites techniques de détecter le besoin réel d'un recruteur, les mots-clés, les farks en le CV, le besoin profond pour ensuite rédiger un CV qui va avec ses besoins, qui va répondre à ses besoins. Donc, il y a un travail préparatoire ici, surtout pour les gens qui ont un CV.
Donc, il y a un bilan personnel, c'est-à-dire elle va découvrir elle-même, choper les compétences. Généralement, oui, elle va écrire un CV pour demander, pour candidater pour un stage de fin d'études. Donc, Aslima Elie. Donc, إذا كان هو بشي بدأ يلوج على أول مرة بشي يكتب أول مرة CV يزمو يقعد مع روحه يشوف روحه شنو ما لي كومبيتونس اللي عنده شنو ينجم يزيد شنو فريمون لا فالور اجوتي اللي ينجم يعطيها في المارشي ولا في أي سيكتور هو أوكي اللي سانتيريس من بعد باش يعمل ان ايتا دي لو سيتادير قبل ما يكتب ان CV يشوف هما لي زونتربريز شنو حاشتهم سور لو مارشي يشوف لي اوفر دومبلوي لي انونس لي جوب ديسكريبشن وكل باش ينجم هو يل ديتيكت لي مو كلي اللي حاجتهم بيهم اللي حاجتهم بيه ان ريكروتور اي بوركوا با يل بو سافوار ويعرف اكثر ايدي على كل دومين شنو حاجته شنو الدوموند شي او كل سيكتور داكتيفيتي شوف كيفاش كومون اي فوا لي شوز باش من بعد ينجم يعرف شنو اللي مطلوب وشنو هو اللي ينجم يزيد وستادير لو بلوس ينجم يعطي على اللي طالبين ولي ريكروتور دونك من بعد ما عمل هو ليتا دو ليو وشيف شنو عمل ان بيلان بيرسونيل باش يبدا يكتب لو سي في دونك لو سي في في دي بارتي les parties qui sont indispensables il y a une part في ان سي في هما les coordonnées les filles, nom, prénom, adresse physique, numéro de téléphone, email, Skype, LinkedIn. Femme Azeda, une autre partie, l'Ipchir qui fait, on s'amuse à une mini lettre de motivation, l'Ipchir qui fait à chaque candidat, je nomme les compétences, je nomme les atouts, les rendus pour postuler à cet emploi. Qui m'a dit le maximum possible, il va attirer l'attention du recruteur puisque Awal Haja Bishakraha le recruteur. Donc il va capter l'attention de ce recruteur, il va mettre le maximum possible des mots-clés pour résumer. Le parcours professionnel, le parcours académique, les compétences, c'est-à-dire les langues et les compétences en informatique, les centres d'intérêt et les références. On va parler de l'ordre qui fait que je dis est-ce que je vais écrire le parcours professionnel ou le parcours académique ou l'axe. On va dépendre du profil le candidat, c'est-à-dire il va être déjà en poste ou hashtag une évolution, je t'amène évolution de carrière hashtag post-mérite. Donc, à la chose que je vais aller, bien sûr, il y a le parcours professionnel. Oui, c'est un étudiant, mais il faut que ça a un stage de fin d'études. Il y a le parcours académique. Femme a une autre astuce, on va attendre. Je vais aller à la vie associative. Donc, je vais aller à la partie. Il y a les coordonnées. Donc, les coordonnées qui m'ont fait un nom, prénom, l'adresse physique du candidat, le numéro de téléphone, l'adresse mail, le LinkedIn. Le lien, il doit être personnalisé. Je m'en ai un lien personnalisé. Il y a les hommes, je traite le lien HTTPS, / ou traite comme un numéro de col. Ils ont traite qu'on l'ID LinkedIn. ومعني تنجم تفركس سوغ جوجل تعرف كيفاش تلقى الاي دي نتاعك لينكدين تحطو كون شهوا كيف نجمو نلقاو اي دي سكايب علاش نحطو لي زانفورماسيون هذوما الكل لي زانفورماسيون هذوما الكل نحطوهم باش الريكروتور يلقى لا فاسيليتي دو كونتاكتي لو كانديدا فاسيلمون دونك فما حاجات لازمنا ما نعملوهمش مثلا يبدا عندك دو ادريس ايميل تحط اون سول ادريس ايميل pour ne pas créer une confusion chez le recruteur. Numéro de téléphone. Donc, il faut mettre le numéro de téléphone, une adresse email, une joignable, pour ne pas être le recruteur, il ne me contacte facilement. La deuxième partie, elle est à l'accroche développée. L'accroche développée. Voilà, donc, l'accroche développée, c'est un résumé des compétences qui vont te démarquer par rapport à d'autres candidats. وهوني باش نركزوا على المكلي شنو اللي مطلوب
pour occuper ce poste. Enfin, à un autre point, il faut savoir qu'un CV, ma famille, un CV standard, un CV, il doit matcher à une seule opportunité ou à un seul profil demandé sur le marché. Yani, maintenant, je vais faire un seul CV standard, une lettre de motivation standard, ou tu vas parler du recruteur. Il faut adapter, personnaliser, coller poste, rendre le CV selon les préférences, selon le besoin du recruteur. Mais, la croche, il ne faut pas dépasser les deux phrases. Les deux phrases pour mettre l'accent sur la capacité de synthétiser les compétences, les atouts de chaque candidat. Et en plus, c'est valoriser le profil. Mais, il faut mettre une formation permettant de faire la différence avec les autres candidats. Et il faut mettre que les informations pertinentes, c'est-à-dire il ne faut pas chercher une phrase d'accroche liée à Maujouda sur Internet, copier-coller et mettre la phrase. Il faut vraiment se concentrer, faire une synthèse. Bad maman a le bilan personnel. Tiana, faut que je mette les points forts. Tiana, donc nous un petit effort de synthèse puis nous en capte l'attention du recruteur. La troisième partie, c'est le parcours professionnel. Vous n'avez le parcours professionnel qui marque une arbre. Il n'a jamais géré à l'ul, qui n'a jamais géré le parcours académique. Mais Khalil a raconté acter le parcours professionnel. Khatrawa, c'est le plus demandé auprès des recruteurs. Donc, pour le parcours professionnel, femme qui m'a charpe, je n'ai pas oublié le parcours professionnel. Il y en a col l'expérience ou hada à part. Bien espacé, واحدة تحت الأخرى. نبدأ بأول واحدة معنى إحنا واحدة إحنا عملنا منها, c'est-à-dire l'expérience la plus récente qui إحنا فيها. Donc, نحط la période, le nom de la fonction, le nom de l'entreprise et la ville. Mais هوني نجم نقلبو. Tout dépend. Par exemple, إذا كان tu vas postuler auprès d'une entreprise concurrente, une entreprise l'identifie a déjà ou alors d'un concurrent direct à l'entreprise. On peut inverser le nom de l'employeur, pas la période et la fonction et la ville. Et juste tahte le titre du poste, le nom de l'entreprise, le contexte ou le motif, c'est-à-dire pourquoi on a été recruté en ce poste. Au même bas, je mets tous les détails. On fait les détails du manager en cours. L'astuce colle les mots-clés. Je n'aurai là où je le recruteur. C'est-à-dire qu'il faut les tirer. Mais il me rend chez photo les 6 tirés, 6 lignes, pas plus. On y sera que vous accélérez l'effort de synthèse. Ou col tiré, c'est un verbe d'action. Allez, un verbe d'action pour donner un aspect dynamique les CV interne, pour mettre l'accent. Là, nous sommes des personnes toujours en action ou on a la qualité dynamique dans le travail interne. بعد ما نحط les actions وحطينا les mots clés اللي احنا déjà عارفينهم les offres d'emploi اللي موجودين en ligne. نحط les résultats. Les résultats, علاش نحط les résultats? Les résultats, c'est très important pour valider l'apport en théâtre li amalto entre un ex-employeur. Ou on y pchirakz akr le recruteur, khatr bchati un résultat concret. Il faut quantifier le maximum. Kima houni, par exemple, l'exemple li na hatito, le résultat, c'est mise en place de 12 partenariats. Pas même 12 partenariats. في عامين حاجة كي كابت لاتنسيون دو ركروتور. نجمو نزيدو حاجة أخرى اللي هي ماهيش أوبليغاتوار, سي أن بلوس. نجمو نحطو لي كومبيتونس و لي كاليتي موبيليزي تاعنا احنا باش وصلنا للريزولتا هاذيا. نمشيو للباركور أكاديمي. دونك لو باركور أكاديمي سي بور ليجيتيمي notre candidature, on donne du sens à notre candidature, on veut dire li hna raw ana un background académique, li une formation, li tralina en postule en ce poste. Mais qui fait chnekbou la rubrique formation, bien sûr le titre de la section ou même pas de tout, la date de l'obtention
du diplôme, la licence, c'est-à-dire le niveau de, le niveau de l'étude, c'est-à-dire master, bac, licence, peu importe, la formation, le nom de la formation, la spécialité, et puis la mention. La mention, on la met juste si on a été major de promo, on a une mention qui est prestigieuse ou une bonne mention, on peut la mettre, ce n'est pas obligatoire. Et puis, les spécialités qu'on a choisies tout au long du parcours académique et même les mémoires, c'est-à-dire les sujets de mémoire qu'on a pu rédiger lors de notre parcours académique. Houni Marki, dans le cas des étudiants ou des personnes qui n'ont pas une expérience professionnelle, ils peuvent mettre l'accent sur leur parcours académique. On vend le profil. L'argument de vente unique du profil, c'est sa formation et son parcours académique. Donc, il y a certaines personnes qui n'ont pas validé une année. Je prends l'exemple de moi-même. Je n'ai pas validé une année en études préparatoires. Donc, on peut citer qu'on a, on a le niveau, par exemple, première année préparatoire en la spécialité pour expliquer aux recruteurs que nous avons assisté au cours, mais nous n'avons pas validé l'année. Pourquoi ? Parce que toute expérience ou tout parcours académique, c'est un plus. C'est-à-dire, le but de la rédaction du CV, c'est valoriser notre profil. Il faut savoir valoriser notre profil. Et là, pour le cas des étudiants, c'est le seul argument pour valoriser leur profil, c'est de mettre tous ces détails. Par contre, pour les personnes qui ont une expérience professionnelle, ils peuvent juste se contenter de dire ou de citer juste les diplômes significatifs qui ont marqué leur parcours académique. Pas besoin de détailler ou de mettre des détails qui n'ont pas... C'est-à-dire, ils vont mettre l'accent sur leur parcours professionnel. Donc, il faut citer les logiciels et les différents langages et technologies maîtrisés, ainsi que le niveau des langues. Les centres d'intérêt, c'est pour donner un aperçu sur notre personnalité, c'est-à-dire on peut citer les sports qu'on a pu pratiquer ou qu'on aime pratiquer, les choses qu'on aime faire en général. Mais aussi, je parle aussi pour le cas des étudiants, on peut mettre l'accent sur la vie associative. Si on n'a pas un parcours professionnel, on peut mettre l'accent sur notre vie associative. Si on a des postes au sein des bureaux exécutifs des associations, si on est actif, donc c'est toujours valorisant de dire que j'ai fait partie d'un tel club ou d'une telle association. Et ils m'ont confié telle ou telle tâche. Et puis, la dernière rubrique, c'est les références professionnelles. Il ne faut pas donner les contacts de ces références, juste il faut citer le nom, le prénom, le nom et la fonction d'un ex-manager ou d'un ex-supérieur hiérarchique. Dans cette section, on va parler de la forme, c'est-à-dire la mise en page d'un CV. Donc, avant tout, un CV, il doit occuper une seule page. Il ne doit pas dépasser une page. Il faut choisir une seule typographie, interligne 1.5. Les couleurs, on peut maximum choisir deux couleurs. On peut adapter les couleurs choisies selon la charte graphique de l'entreprise au sein dans laquelle on va candidater. La taille de la police, il ne faut pas choisir une taille minime de 10 ou une taille énorme de 18-14. Donc, la taille 12, elle est satisfaisante. Donc, pas de majuscule puisque le majuscule il traduit l'agressivité. Pas d'italique puisque on a tendance à ne pas lire les textes en italique.
Le grant est juste pour mettre l'accent sur des informations qui sont pertinentes, par exemple les mots-clés, les chiffres et tout. Il faut éviter les cadres, puisque les cadres ils donnent l'impression de limiter la chose, d'engorger le CV, et même c'est triste et archaïque. Par rapport à la photo, ce n'est pas obligatoire de mettre une photo sur le CV, à moins qu'il demande de mettre une photo. Mais la photo, elle doit être professionnelle, c'est-à-dire on doit avoir un regard qui regarde et un léger sourire. Il faut rester dans le cadre professionnel. Il ne faut pas avoir des arrière-fonds, les plages, les forêts, les jardins et tout. Il faut éviter tout. Et il faut avoir une photo la plus récente. Après avoir respecté ces astuces, on peut par la suite faire une audite du CV, c'est-à-dire on peut vérifier l'orthographe. Il faut vérifier, revérifier l'orthographe. N'hésitez pas à demander l'avis de quelqu'un que ne vous connaissez pas, mais et lui donner le CV pour une lecture de 30 secondes. Et lui, il va ressortir une première impression. Donc, tu peux faire l'évaluation ou l'évaluation de la première intention que votre CV régénère. Il faut demander aux personnes de votre réseau professionnel de jeter aussi un coup d'œil pour vérifier, revérifier, pourquoi pas la mise en forme, l'ordre et puis les fautes d'orthographe. Et puis, on peut, par rapport aux mots-clés, on peut analyser notre CV, c'est-à-dire on peut analyser une analyse du texte. Il y a des applications en ligne qui permettent de compter les mots dans chaque texte. Donc, on peut introduire notre CV dans cette application pour qu'il puisse nous dire quel mot-clé il est le plus on peut dire si on a vraiment respecté l'astuce des mots-clés et de citer les mots-clés dans le domaine ou dans le secteur concerné. Revérifier l'orthographe, toujours revérifier l'orthographe. Et puis, une dernière étape, c'est enregistrer le CV sous format de PDF et nom, prénom et CV. Donc, cette présentation, elle est brève. J'essaie de donner quelques astuces que j'utilise pour décrocher des rendez-vous. Et je compte sur votre feedback, vos questions. Je peux répondre à vos questions. Merci. Bravo Sophie, bravo à Tixaha pour ces informations-là. Merci beaucoup. Abdelkrim. Alors, moi, tout d'abord, je suis très impressionné par la présentation. C'est très, très bien fait. Je remercie beaucoup la présentation de ta Sophie. Elle nous a très bien présenté le sujet de façon très souple. Et maintenant, c'est à vous de commenter sur ça et surtout, attendre vos questions. Très bien. Donc, j'ai une question, en fait, ça fait, si tu me permets. D'accord. Donc, par rapport, tu as dit qu'il doit être sur une seule page avec 1,5 d'interligne et 12 pour la police. Alors que réellement, ça se fait, c'est pas faisable. Avec 12 et 1,5 dans une seule page, c'est pas évident. La règle, c'est la règle en général, c'est de même synthétiser 10 ans d'expérience en une seule page avec ces formats-là. Un CV, ça synthétise les compétences. Donc, on ne peut pas mettre tout, surtout avec un taux ou un nombre d'informations assez élevé, assez important. Donc, il faut mettre l'accent sur votre capacité à synthétiser les informations, à donner juste ce qui est pertinent, qui semble être pertinent et qui va capter l'intention du recruteur.
S'il y a une expérience qui n'a rien à ajouter ou qui n'est pas pertinente pour ce poste, n'hésitez pas à la négliger et à ne pas la mettre dans votre CV. Autrement dit, il doit être personnalisé selon, tout dépend de l'offre. Oui, il faut personnaliser nos CV. Il faut pas, il n'y a pas un CV standard. Il faut personnaliser ça. Chaque offre d'emploi, elle a un CV qui va avec. J'ai une autre question, si tu me le permets. Oui. D'accord, donc par rapport à l'outil pour la création de ce CV-là, réellement, d'habitude, on utilise le Word pour la création du CV. Mais d'avoir qu'à dire, je trouve pas ça fait le Canva. Il est très simple et très… Oui. Est-ce que c'est compliqué ou non? Pardon, Est-ce que c'est conseillé d'utiliser Canva pour la création des CV? Du moment où on respecte les formes et la mise en forme déjà citée, il n'y a pas de problème. On peut utiliser, il n'y a pas un outil qui est dédié à créer un CV, qui a un seul outil qui est dédié à créer un CV. On peut utiliser Illustrator, Canva, Word, peu importe l'outil, juste il faut créer un CV qui est lisible et qui capte l'attention du recruteur. Alors, je vais ajouter un truc à ça. Il faut, quand vous allez utiliser Canva ou n'importe quel outil graphique, il faut exporter le CV en format PDF. Ne l'exportez pas en format image. Évitez à tout prix d'envoyer un CV en image, car le recruteur, il a besoin de faire des copier-coller ou de vous appeler ou d'envoyer un email en se basant sur les éléments qui sont sélectionnables sur votre fiche PDF. Ne jamais envoyer un CV en format image. C'est une faute très, très courante. Oui. Ça, c'est sûr, oui. D'autres questions par rapport aux membres déjà présents? Nous avons parmi nous, notre ami Amin Terfi, de Zaire, très toujours présent. Parfait. Salam alaikum. Je vais profiter. Kiva? Oui, Andy, une question concernant les expériences CV. Est-ce que je dois mettre toutes mes expériences le CV Hada? Ou là, juste les expériences les ressources l'entreprise les rannais rahliha yani gal les expériences par exemple انخدمت un manager تاع cafeteria on est posté les le CV fait par exemple la شركه yani ta boîte de communication est-ce que لازم نحط هذه ولا يعني ما عندهاش اهميه. Un CV, il a le rôle de valoriser votre parcours professionnel. Mais sinon, il y a un effet inverse. Il peut avoir un effet inverse. Si vous postulez pour un poste de manager et vous mettez votre premier stage ou votre premier emploi en tant que manager dans une cafétéria, c'est pas valorisant de votre CV. Donc, ça peut être une raison de rejeter votre candidature ou de ne pas accepter votre candidature. Donc, il faut adapter notre parcours professionnel, académique, même les certificats. Il ne faut pas citer tous les certificats qu'on a. Donc, il faut juste sélectionner les éléments qui vont valoriser notre profil par rapport ou vis-à-vis du recruteur. Ok, super. Une autre question? C'est ça? C'est une jeune très active, fille 12. Elle a sûrement. Est-ce que tu as déjà un CV ou l'air? Oui, j'ai déjà. Voilà. Donc, c'est l'exemple typique. Tu as le jeune qui n'a pas d'expérience professionnelle. Donc, tu as mis quoi dans ton CV pour l'enrichir? Expérience associative. Donc, c'est ça, ma hatit qu'une expérience associative,
بحكم ما مازال ما عنديش اكسبيريونس بروفيسيونيل. سي سا. عبد الكريم اليوم حاضرين معنا جماعة من دوز يوث اوبورتونيتيز، دونك مرحبا بكم. مرحبا. مرحبا بكم الكل. انا اليوم شفت سخانة عندكم، غادي سخانة به دوريجين في دوز اليوم. الاخر 45 اليوم. ما تبيع في دوز، في دوز كده ثم 45 تعملوا السيرف هكا ولا كيف تعملوا السيرف طوى وقت واي. ثم كاسيون على تشا على اللايف على فيسبوك يحبوا على اكزامبل تيبيك نتاع سي في. صافا Il n'y a pas un explique d'un CV. Je viens de citer, il n'y a pas un CV standard, il n'y a pas un exemple de CV. Il y a un CV, c'est-à-dire selon votre profil, selon l'offre de travail, vous avez un CV. Mais il y a une squelette à suivre d'un CV, c'est-à-dire les différentes parties que je viens de citer, c'est-à-dire les la partie des coordonnées, le résumé ou la mini lettre de motivation, le parcours professionnel, le parcours académique, les centres d'intérêt, les autres compétences en informatique ou les langues, et puis les références. Mais est-ce qu'il n'y a pas un CV Sinon, je peux vous proposer mes coordonnées. Je suis là pour vous aider à rédiger vos CV, à vérifier avec vous le CV. Voilà. Est-ce que Thomas Kuna a un CV en ligne qu'il veut partager pour qu'il soit conseillé par sa fait? Même pour la mise en forme. Qu'il veut. Donc voilà mon adresse email. Je suis joignable sur ma boîte email, donc je suis très réactive. Je peux vous aider. Donc, et ça, c'est mon WhatsApp. Si c'est possible, tu n'as pas trop de discussion, ça fait. Encore une fois, il y a un CV en ligne, il y a un peu de temps à l'heure, il y a un peu de temps à l'heure. Ça, c'est une très bonne question. Je crois que tu as un CV en ligne. En ligne. Tu as un CV en ligne, tu es obligé, tu as un téléphone, tu as un CV en ligne, tu as un CV. لازم تبعثوا نقدر نبارطاجي ان سي في مي لي ان بو دو 2019. Une autre remarque, merci de me le rappeler, Annie. Donc, une autre remarque, il faut toujours réactualiser notre profil LinkedIn. Il doit contenir les mêmes informations qu'un CV. C'est-à-dire, il faut toujours vérifier nos informations sur LinkedIn et réactualiser nos informations sur LinkedIn. Ok. C'est ça. Juste le... CV اللي راهو في الدرايف ديسپونيبل كاسور درايف هو برك تاع 2019 مي لي ميساجوري هو في البي سي. اسكو جو بو لو بارطاجي يعني مدام هاي عطيني برك لاك سي عبد الكريم. Screen.
أمين كتبعت لي خاطر جبت لها في شيء وفين يكره أخير بيان سور كوبي لينك En tout cas, la discussion. En la discussion. Oui. Alors, vous voyez, c'est bien terminé. Alors, vérification technique, oui, c'est sélectionnable. Donc, ça fait, voilà, ça fait, quand on attrape le CV, حتى ميوت راه صافي نحي الميوت على الميكرو صافي انت حتى ميوت راه حتى ميوت الميكرو ان بيت بروبليم سمعت هذا الكلام صافي فو زافي لو ميكرو او مود ميوت سي بون دوكا راني نحكي Voilà, ça fait ça, tu peux parler maintenant. Est-ce que je vois? Il y a la rubrique des compétences, c'est-à-dire la rubrique de la mini-lettre de motivation, Why may you work with me? Qui est en bas du CV, qui est en format de tiré. Il faut synthétiser ces tirés. Et il faut rédiger maximum de phrases et de les mettre à l'en-tête. Okay. Par contre, il y a vos données qui sont... On a perdu ça fait 250. On a un petit peu peint avec ça fait avec la connexion. Alors ça fait encore une fois. Bien. On a un petit problème de connexion, donc je vais commenter rapidement. Tout d'abord, c'est un très bon CV pour un designer. Et là, c'est très important le contact en tête de page et surtout l'expertise. Il faut très bien le montrer. On sait très bien que Amine est un très bon designer. Et là, il y a le pseudo des réseaux sociaux. Je suppose que je peux trouver ça sur Instagram, sur Twitter. C'est très important. Exactement. Et beaucoup de gens oublient ça. Et c'est très, très important, surtout pour les gens qui travaillent dans le domaine digital. Et un petit retouche de skills à la design, parce qu'un graphic designer ne doit pas envoyer un CV classique. Il a fait tout ça dans une seule page. C'est bien. Mais comme a dit Safin, il vaut mieux développer selon le recruteur, développer un peu. C'est un peu pas lisible beaucoup parce que vraiment, vous savez, pour les gens. Il y a une autre remarque, c'est juste si je peux parler. Oui, vas-y, Safin. Il y a une autre remarque, c'est qu'il faut toujours citer l'expérience la plus récente de nous. C'est-à-dire, le CV, il est en pyramide. Tout ce qui est pertinent, il doit être cité au niveau du haut du CV. Tout ce qui n'est pas
aussi important, aussi pertinent que ça, il doit être mentionné en bas du CV. D'accord, merci. Donc, il faut inverser l'ordre chronologique. Sure. Ok. C'est un point très important, merci. C'est quoi cette @terfi? C'est le motion mentions for all my social media sous le nom de Amin Tarfi. Just click Amin Tarfi partout, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, partout. J'ai déjà dit que c'était intelligent, voilà, de mettre ça. Il faut, ça fait parfois, il faut rappeler aux gens du digital marketing de vraiment mettre l'accent sur une présence en ligne. Un truc qu'ils ne font pas toujours. Oui. Amine, Ça dépend. Pour un graphic designer, pour un marketeur digital, pour tout ce qui est métier dans la communication, le marketing, c'est très important. Mais pour tout ce qui est des métiers en finance, c'est-à-dire des métiers qui sont un peu cartésiens, il vaut mieux ne pas citer les réseaux sociaux que le LinkedIn et le Skype ID. Ça fait une question très importante. Tu vois ce CV, est-ce que tu vas recruter Amine ou le rejeter? Ça dépend du poste. Poste pour un designer. La première impression. Je parle de la première impression. Pour un premier rendez-vous, pour un entretien, oui, il est accepté. Alors, un profil validé. Tu vas le payer combien? Après un entretien, on peut négocier. Avance, à peine avance, à peine avance. Un peu d'argent, ça fait. Sois pas. Un peu d'argent. Ben, tes prétentions salariales, Ami? Moi? Non. الحقيقة يعني هذاك لو سي في اضطريت بان كرييه على جال بان بوست لي ان بوست كوم بور ترافاي بور افيك اون سوسيتي كوم ان فريلانسر يعني سي با ان بوست يعني فول تايم ولا باسكو ديجا يعني نخدم البروجي تاعي يعني ما نحتاجش نخدم مع الناس جوست خدمت معاهم كوم ان فريلانسر يعني خدمت هذاك لو سي في سينو يعني ما جامي بوستيليت لو سي في صوف هذيك الخطرة يعني هذا ممكن. اسكو سمعتوني ولا وي سانيك سانيك كامين سانيك وي سي تري دونك سي تان سي في ادابتي سولون لو ريكروتور بالنسبه تاعي يعني طوف الشركات وانما نعاون الناس كي كريت لو سي في يعني كان بالنسبه للشركه يعني بنخدم كوم كوميونيتي مانجر فور جاست فيو دايز اور فيو مومنت يعني اي مين تايم مي بوكو بليس نسين نعاون الناس اللي بغوا يكري لي كريو لي سي في تاعهم سي جوست لو كوتي يو اي يعني ما نعرفش الكونتنت مي يو اي نسين نعاونهم سي تو مي اديك صحه صفاء يعني داتينا دي زانفورماسيون اللي احنا نقدروا نعملوا بهم ناس واحد اخرين ياسر احنا نتعلموا بهم حنا الوقت. Alors, je viens de partager avec vous un article que j'ai rédigé sur mon LinkedIn, sur mon blog, qui parle des fautes à éviter quand vous allez envoyer un CV. Vous allez avoir un CV pré-coché. Généralement, ça tient filmé à Melabed, il envoie un fichier docs, doc1.docs et sans hatchet. Donc, sans déconseiller un article que je viens de partager avec vous pour mieux avoir des chances pour avoir un entretien. Ouais. En fait, voilà. Donc, voilà. Wajid? Oui. Smart,
GCD, ils sont très forts côté mais je m'en fais que Abdelkrim Samahni. Est-ce que je m'en fais ou pas? Oui, je m'en fais. Je m'en fais le GCI, je m'en fais le GCI, je m'en fais le GCI, je m'en fais côté CV. Bon, plus ou moins. Donc, encore une fois, on remercie beaucoup Safer pour sa présentation. J'espère que vous allez utiliser ces conseils très, très impressionnants pour avoir un CV qui recrute, pour avoir un PFE ou un stage. Aujourd'hui, on envoie un CV même pour un entretien, pour avoir un stage saisonnier ou un stage. Très important. Ouais. Ma carte Safer, il faut toujours entretenir son CV. Le marat Théobi. Et quand c'est très important d'avoir son CV sur soi, ça veut dire le cloud quelque part, je vais te faire tout un article pour éviter les fautes graves dans nos écoles, parce que j'ai mon côté recruteur, moi aussi, j'aide des personnes à insérer pour avoir des postes digitales. Oui, et je vois des trucs pas du tout gentils. اللي بعث لك في شيء بعث لك بدرس ايميل كتوسه كتوسه وفي شيء دوكس ان بو دوك اللي بعث لك في شيء بي دي اف واللي بعث لك بوت ايميل تاع صاحبه با كومبري سا الجمله واللي بعث لك اي فوتو واللي بعث لك سي في يضحكوا واللي بعث لك سي في نتاعه دو باج كل باج في ايميل واحد لا 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 كل يوم جيني سي في لا 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 مخي حابس لا 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 Mais ils n'ont pas mis l'accent sur le poste qui est basé à la khatro. On a fait un peu de finance et on a fait un peu de métier sur le digital. Oui, Amin, il y a une conversion, mais il y a une règle de l'art. Alors, Amin. Amin, quand on est sur Internet, on va Donc, au nom de tout le groupe, merci. Juste Andy, un petit conseil. À part le CV, mais si situation, il y a une affaire. Si j'ai ou pas, j'ai des rejets, oui. Mais il y a un difficile à un rejet. Moi, je m'en ai un petit profil. وإلا أنت راو نعرفش ما تي انكومبيتون سي كو فما شكون خير منك سا سي سور اي يعني ما يا با كو لو سي في اللي هو كي فا تو غارونتير فما سي في فما اون ايماج سور لي ريزو سوسيو باش نحكيو يسرا على البيرسونال براندينغ هوني وفما زيدا لو كوتي نيغوسياسيون ولا qui fait chier les bières ou lors de d'un entretien et la lettre de motivation. Donc, c'est un package et les gens interviewent l'école. Moi, je m'en ai à un recruteur et il m'a appelé que je fais haja. C'est que un tiers de que haja qui ne va pas juste. How le tala chno ali howa talbo je un tiers parti chno howa talbo. C'est ça. Ok. Je sais bien la clé, mais ça fait. Je pense lit haja fait. Les réseaux sociaux en Djamatine, ta réponse dans la société, j'ai eu un jeune homme, il a eu un peu de temps, il a eu un peu de temps, il a eu un peu de temps, il a eu les réseaux sociaux, Facebook ou Twitter, etc. Il a eu partagé des banalités. Donc, il a été refusé. Il a été rejeté plutôt. Oui, c'est vrai. Parler de la branding. Ça nous a ébloui, Lyon. On a fait
نفتح على الاخر توصلي مور مع الناس الكل. ادي بيت تري بيان في تري بيان تري بيان بريزونتي. جو باس لا بارول لاسرا ووجيه. تفضل اسرا عندك كلمه. Merci beaucoup, ça fait d'avoir partagé avec nous ces conseils et ces informations. Et merci beaucoup à Abdelkri. Merci beaucoup, merci beaucoup, ça fait. Au nom de l'agent chambre Ariana, Atik Saha, ça fait ma rochra, le contenu riche, l'imaït hona, session d'ailleurs. Awolhom, Anna, je n'ai pas de le CVMT, je vais les pages barca. La khatr, quand on a un اول حاجه شو اللي باش بركه خاطر سي سي لو طون معناها بون عندي برشا ما بدلتوش السي في ام تي عنده من توا عام ونص ولا قداش ما عملتش ميزاجور حقيقه مي سي لو طون بوغ سخا لا باش دونك هذيك الساعه مره اخرى وهذيك الساعه عبد الكريم اسراء واللي مونبر الحاضرين الكل ولا بخوشين ان شاء الله. حبيت نسالكم البروشان اتيلي ثم اش تحبوا البروشان اتيلي اسكو نعملوا كومون غيسير انتروتيان ولا نعملوا تريلو والبلانينغ ولا حاجه اخرى كيف بروبوزي جو فوا بيتر نكملوا بنفس لونشينمون معناها بدينا سي في نكملوا كومون ريوسيغ ان اونتروتيان وي كومون ريوسيغ ان اونتروتيان باه داكود دونك لو ريتم نعرف قوي شويه مره في الجمعه قوي شويه مي ابارمون سي بينيفيك باش الناس كي سونتيريسي دونك مازال لنا جمعتين في جوان وبعدها نرتاحوا شويه نرجعوا بعد نشوف دونك الجمعه الجايه ان شاء الله سوغا كومون غيسي سون انتروتيان وانتروتيان بي اف او ستاج خدمه ولا حتى في جي سي فما انتروتيان باش تمشي تدخل للجي سي انا جاب انا جاب الهي اسوسياتيف وي ديجا الريكروتمون بلي زونتروتيان انتروتيان كلوب اللي يسيب لونتروتيان باش تدخل مع اسراء لازمك شويه هكا كوريكسيون فاكر هكا ولا اسراء ولا وي Amin, j'ai une très bonne nouvelle pour vous dire que Amin il a presque finalisé le processus pour lancer le club IXDA Alger. Le premier club UX qui est Dzaïr, il me recrute à l'UX. C'est bien fait, Amin. Et on a applaudi très très fort. Courage. Merci, t'es comme ça. T'es comme ça, t'es Karim, à la coulée. Quand l'IX fait le. Ni وصلت بان كونتاكتي لورغانيزاسيون دونك هذاك صح فوالا دونك ميرسي انكور اون فوا صافي ان غران ميرسي بور افوار اكسبتي لوتر انفيتاسيون اون فيت ال سي انا دخلت على جروب نتاع زناط الرهاش انا انيسياتيف اسمها ابيرو رهاش عشان تعرفها ولا حاجه في لو سول يونيك افتر ورك فور زناط الرهاش صافي حتى ما مرجيت بجيت توجي نعمل الجاي بعد الصلاع قلت كوني حبي انيمي اتلي في الكريسون سي في قعدت سمعت لها سي لور يا اخي سمعت يا اخي صافي لا سي بورتي فولونتير دونك انا ريميرسي بوكو او كون فوا مرحبا ميرسي ا فو ان شاء الله نقابلوا الجمعه الجاي بور سو كي راتي الاتلي سورا توجور اون ليني وانا معظم ريميرسي بوكو جيسي يعني انا كي سون تري سوبر اكتيف engagé que l'AD. Merci aussi Isra. Bien déjà formation. 12 opportunités. والله احنا اللي زون الفورماسيون ما نشتغلش منهم انا. ما نحبش البارح سور تيغا الحقيقه البارح فورماسيون سور تيغا مش الحكايه نتاع بكري احنا ما كانش عندنا هكا ديماس. Et si vous avez besoin de ça faire, vous avez son contact, n'hésitez pas à le contacter pour les conseils, pour l'inviter en tant que speaker des événements. Pour parler de CV, pour des ateliers. On va aller. On va à la semaine prochaine. On va aller à un atelier très important. Rencontre avec l'un des leaders de tout ce qui est community management de l'Afrique, Darmat Arachia. Ils vont nous parler de la community management au style africain. Donc, ne ratez pas ça. Et merci beaucoup. Et à la semaine prochaine. Merci, merci. Bye. Merci à vous. Bye.